Bienvenue chez Wagner, lubrifiant de haute performance. Aujourd'hui, je voudrais démontrer l'efficacité de la micro-céramique à nos spectateurs. De façon à visualiser l'efficacité et les performances, nous allons utiliser une machine test. Cette machine a été développée pour l'industrie des lubrifiants. Il s'agit d'une évaluation sur la base du test Brugger. Un moteur électrique entraîne par une courroie un arbre étalon. Le rapport de transmission est de 1 à 2. Le moteur tournant à 1500 tours par minute, nous obtenons une rotation de l'arbre de 750 tours par minute. L'arbre étalon est muni d'une bague extérieure de roulement. Cette bague est trempée et normalisée avec une dureté de 61 HCR. Ici, nous avons monté un carter d'huile dans lequel je vais ultérieurement ajouter de l'huile moteur. Sur ce support est monté le cylindre test qui lui aussi est normalisé. Il s'agit d'un rouleau trempé d'un roulement à rouleau cylindrique avec les dimensions de 10 x 14 mm. Sur le support est fixée une clé dynamométrique avec lesquelles nous allons faire nos tests. Nous allons utiliser la clé dynamométrique pour exercer une force entre l'arbre étalon et le cylindre test lubrifié. Ici, nous avons monté un ampèremètre. Celui-ci mesure l'intensité absorbée par le moteur durant le test et sert à visualiser l'effort du moteur pour vaincre les forces de frottement. Pour lubrifier les pièces, j'ajoute de l'huile moteur synthétique standard dans le carter d'huile. Ensuite, nous allons commencer le test en allumant le moteur électrique. L'arbre étalon en rotation crée un film d'huile qui sépare légèrement notre couple de friction. Le lubrifiant fait son travail de façon parfaite et nous avons ce que l'on appelle une situation idéale. Cet état est appelé friction fluide. Le couple de friction n'est plus en contact lors de la rotation. Malheureusement, nous n'avons pas toujours cet état idéal. Par exemple, lors du démarrage à froid avant que la pression d'huile optimale soit atteinte, ou lors de fortes sollicitations du moteur à haut régime, le couple de friction est en contact direct métal sur métal. Même une très faible pression exercée sur notre montage test provoque une grande usure, une grande friction et de forts bruits de frottement comme vous pouvez l'entendre. J'augmente la pression sur le cylindre test. L'usure augmente jusqu'au serrage des pièces et à l'arrêt du moteur. Même sous faible contrainte, nous constatons de la friction, de l'usure, puis un serrage. Les forces extrêmes exercées sur les pièces durant ce test ne se présentent pas dans un moteur ou une boîte de vitesse. Nous allons maintenant observer la surface de notre cylindre test. On peut constater une surface très usée et un état de surface très rugueux. Sur notre arbre étalon, nous pouvons constater des dépôts. Ces dépôts correspondent à la limaille qui a été incrustée par laminage dans l'arbre lors de l'essai. À part ces dépôts, nous avons énormément de limaille dans notre carter d'huile. La limaille, qui est visible à l'œil nu, correspond à l'usure qui s'est formée sur le cylindre test. Je remets le cylindre test en place et repositionne le carter d'huile. Aucune modification de réglage n'est effectuée de façon à pouvoir démontrer clairement les caractéristiques de la micro-céramique. Nous ajoutons la micro-céramique dans le carter d'huile et redémarrons l'essai avec des paramètres encore plus défavorables. Nos surfaces de test ne sont pas idéales, mais déjà usées pour ce nouveau test. Juste pour rappel, nous avions des surfaces usées. Nous avions de l'usure extrême jusqu'au serrage des pièces et des dépôts, l'imaille laminée sur l'arbre ainsi que la présence de l'imaille dans le carter d'huile. Je démarre le moteur pour ce test. Si vous observez le cylindre test, vous remarquerez que la micro-céramique se mélange à l'huile.
et donne à celle-ci un aspect blanc. En agissant sur la clé dynamométrique, j'augmente lentement la pression exercée sur notre couple de friction. Vous pouvez entendre distinctement que le bruit n'augmente pas, mais que celui-ci a même tendance à diminuer. Je peux continuer à augmenter la pression. Je peux doubler la pression sans qu'il en résulte une grande usure, ni qu'il ne survienne une forte friction. Veuillez également observer l'ampèremètre pendant que la forte pression est exercée. Je peux doubler, voire tripler la pression sans qu'il y ait de forte friction, ni d'augmentation du courant consommé, ni une élévation du niveau sonore. Il n'y a aucune usure supplémentaire. Je peux également exercer la pression par à-coups. J'arrête le test pour contrôler l'état de surface du cylindre test. Comme vous pouvez le constater, nous n'avons aucune usure supplémentaire. Mais l'on peut voir clairement que l'état de surface est devenu nettement plus lisse. Vous pouvez constater que la surface est profondément rayée, mais qu'il y a eu une amélioration globale de la surface car les crêtes dues à l'usure ont été lissées. La même constatation s'applique aux dépôts. Nous apercevons encore clairement les dépôts, mais l'état de surface a été tellement lissé qu'il n'est survenu aucune usure supplémentaire, ni aucune augmentation de l'intensité consommée par le moteur. Vous avez pu constater l'effet plus que positif obtenu. Nous allons maintenant continuer avec les tests suivants. Nous allons remettre le système en état d'origine en tournant le cylindre test de façon à avoir une surface neuve en haut. Ensuite, je vais toiler l'arbre étalon pour revenir à l'état d'origine. En utilisant un papier de verre à grain fin pour poncer l'arbre étalon, j'ai remis tout l'ensemble dans les conditions d'origine. De ce fait, les surfaces de contrôle de l'arbre étalon et du cylindre test ne sont ni marquées ni altérées. Toutes les conditions d'origine sont rétablies, sauf qu'il y a toujours de la limaille dans le carter d'huile, ce qui rend les conditions plus défavorables. Je relance le test. Nous avons optimisé l'huile avec la micro-céramique, mais avons des conditions plus défavorables, car la limaille est toujours dans le carter d'huile. La rotation entraîne constamment cette limaille dans le flux d'huile. Je peux exercer la pression sans augmentation du bruit ni augmentation de l'usure. Lors du premier test sans micro-céramique, nous avions déjà, dans ces conditions, de forts bruits et une forte usure. Je peux augmenter la pression sans qu'il y ait une augmentation de l'usure, sans que les frictions augmentent. Veuillez également observer l'ampèremètre. Je peux doubler la pression sans qu'il y ait une augmentation de l'usure. J'arrête le test pour contrôler l'état de surface de nos pièces de friction. La marque d'usure est nettement plus petite. Regardez également la qualité de l'état de surface. Vous pouvez constater que celle-ci est nettement plus lisse.
On peut également voir qu'il n'y a aucun dépôt sur l'arbre étalon. Ce que vous pouvez voir, c'est la marque de rotation laissée par le cylindre test. L'état de surface est nettement plus lisse au niveau de la marque de rotation qu'à l'extérieur de celle-ci, où l'on peut encore voir les traces de notre ponçage. Dans le test suivant, je voudrais vous montrer la fonction de secours. Ceci est relativement facile. Je supprime le système de lubrification et du fait stimule une perte d'huile. Je redémarre le moteur et mets notre couple de friction sous pression. Vous pouvez constater que même sans lubrification, il n'y a aucune augmentation du bruit, ni aucun serrage des pièces si l'on augmente la pression. Nous avons pour ainsi dire aucun frottement. Observez également l'ampèremètre et jetez un œil sur le sonomètre. Dans le test initial, nous avions déjà sous ces conditions une forte usure. Grâce à l'optimisation de la micro-céramique, nous n'avons pratiquement aucun frottement. Nous pouvons continuer d'augmenter la pression sans que le film lubrifiant ne cède, sans augmenter l'usure des pièces et tout ceci sans huile. Nous allons à nouveau contrôler notre couple de friction. Vous pouvez constater que même sans lubrification constante, nous n'avions aucune usure supplémentaire durant ce test. Il n'y a aucun dépôt sur l'arbre étalon. Maintenant, examinons le cylindre test. Vous pouvez voir que lors du premier essai, nous avions une forte usure avec un marquage profond. Lors du deuxième essai, nous avions un très petit marquage et une amélioration et un lissage de l'état de surface. Vous avez pu constater l'efficacité de la micro-céramique. Il vous reste sûrement de nombreuses questions sur d'autres caractéristiques et effets de la micro-céramique. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre en détail à ce sujet. C'était Walter Wagner. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à la prochaine. Euer Walter Wagner.